Difficile, même pour conducteurs d'engins à deux roues, de se frayer un passage. Et pourtant, nous sommes bel et bien sur une route, la rue jouxtant le grand marché sinistré de Gagnoa. L'occupation de cette voie par les commerçants remonte à l'incendie de leur marché il y a environ 10 ans. Gagnoa, il n'y a pas de sentier. Nos maris ne travaillent pas. C'est le marché, on se débrouille et puis on nourrit la famille. On fait tout pour les enfants. Depuis le marché, après l'incendie, là, on n'a pas de place. Chaque fois que le commerçant vient me trouver, il dit « Ah, en fait de place, je n'ai pas de place ». Bon, les femmes qui s'asseyent ici aussi, toujours camion, il descend. Et puis bon, nous-mêmes, on a peur comme ça. Quitter la rue pour un marché, vœu ardent pour les commerçants de Gagnoa. Il s'agit pour eux de se mettre à l'abri des accidents de la circulation. Le dernier en ces lieux date de 5 mois. Une vendeuse y a perdu la vie. Lui, il était assis. Moi, j'étais arrêtée. La voiture est venue, moi, là, je suis partie comme ça. La voiture est venue la ramasser pour partir avec elle. Il est resté en bas des pilons. Saisi, la mairie explique son impuissance. À l'origine, le déficit budgétaire, 680 millions de francs CFA, le budget annuel, avec un faible niveau de recouvrement des recettes. Pour reconstruire le même marché que nous avions ici, c'est-à-dire R plus 1, il nous faut au minimum 3 milliards de francs CFA. La mairie ne peut pas avoir les 3 milliards de francs parce que le budget de la mairie n'arrive même pas au dixième du montant indiqué. Toutefois, commerçants et autorités municipales espèrent la reconstruction du marché central de Gagnoa. Il nous faut une aide extérieure. Et cette aide extérieure, nous l'attendons du gouvernement, du chef de l'État. On nous a fait comprendre que le président de la République devait venir ici en visite d'État et que c'est au cours de cette visite d'État qu'il pouvait se prononcer. Donc nous souhaitons incessamment que cette visite d'État puisse se faire dans l'intérêt général de la population de Gagnoa. En attendant, la rue fait office de marché et la place du marché, un dépotoir où les ordures côtoient au quotidien, restaurants et autres commerces d'aliments.